sont leur état qui voici. Mais monsieur qui donne dit, faut nous dire ça, l'aide des responsables quand au civil Dimitri avec l'autre responsable 4 là l'après on mettait une pénitentiaire sous pas font espace à pas pour eux. Mais moi je n'ai pas bon. Faut qu'on bagage qui fait. M'a dit pas mettre une pénitentiaire tout, faut mettre un espace parce que nèg ça c'est des nèg peut-être qui t'arrête en plus nous. Ça c'est vous. Deuxièmement, Colombien a écrit avocat, il dit avocat, au fond requête pour ne pas mettre une pénitentiaire parce qu'il a tué. Ou on a quitté ça pour le troisième acte là. Non, non, nous ne voulons pas dormir. Donc, bon, attendez, les étrangers entrent dans le pays, ils tuent un président, même si ils sont humains, mais ils sont des terroristes. Ils sont considérés comme des terroristes. Hein? Ils sont considérés comme des terroristes. Anel Belize. Parce que Anel pas tué. Yoel, tu as des âmes dans main de manière illégale. Mais les démons tuent le président, c'est des terroristes. Il y a une façon de traiter les terroristes partout dans le monde. Et nous comptons comment les États-Unis d'Amérique traitent, n'est-ce pas, des terroristes. Donc, les gens prennent un avion, ils ont un visa, ils prennent un avion, ils rentrent ici, ils louent un hôtel, ils ont des policiers, ils ont tout le monde en Amérique. Aujourd'hui que tu es trompé, donc ça n'est pas mon pouvoir. Je vais te faire un pour parler de ça. Nous avons tout ça, mais on dit que tu es trompé. Mais une fête, fait qui certain, hein, c'est qu'en fait, ils ont été arrêtés et ils ont assassiné un président. Mais on dit c'est pas au même de tuer, donc ils auront le temps de prouver tout ça. Et aujourd'hui, nous avons deux invités et spécial du monde. Des personnalités qui pourraient parler avec nous aujourd'hui à Marco. Oui, nous avons deux personnalités. Donc, je vais mettre Caroli. Donc, nous pourrions parler d'abord avec moi, c'est le Premier ministre. Ah oui. Il vient de décharger. Non, il va pas aller, non. Il va pas aller. Moi, je crois que c'est 91 à 2017. Non, mais c'est lui. Oui, c'est. Il faut joindre. Nous allons demander ça. Nous allons demander ça. Evans Paul Souline avec nous. Evans Paul, bonsoir. Bonsoir, GPPC. Bonsoir à toute équipe scout là. Et bonsoir à tout le monde qui branche tout partout, Capitaine B. Oui, et comment y est, Kabe? Bon, nous là. Nous là, et physiquement, nous là, nous bien, mais moralement, nous très perturbés, nous très affectés par l'ambiance générale du pays, et en général, et notamment l'assassinat du président de la République affecté ma pile personnellement. Et bon, et président assassiné, ça fait quelques semaines, il y a un nouveau gouvernement. Qui est-tu capé fait de conjoncture ça? Bon, nous avons une situation d'exception, il faut tout le monde comprendre ça. Alors, nous avons l'opinion et je pense que il y a des gens qui font des erreurs de jugement et par rapport à si nous avons parlé du gouvernement là. Il est clair que nous avons une continuité de Jovenel Moïse. Et c'est compréhensible. Parce que le président Jovenel Moïse, il n'est pas transversé. C'est assassiné ou assassiné. Nous, qui avons fait intérimaire, c'est lui qui a été mis, même s'il était bâillé d'émission, il était remplacé, il m'a parlé de l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Et l'actuel Premier ministre Ariel Henry, c'est monsieur le président assassiné Jovenel Moïse qui était nommé le tout. Alors il y a quand même une ambiance de continuité du pouvoir du président Jovenel Moïse. Il était prévu qu'il a fini le 7 février 2022. Mais qu'on y a conjoncture capable de faire le rallonge parce que monsieur Jovenel Moïse vient tout nous martyr et nous vient. Non, situation côté et la mort de Jovenel Moïse, il y a encore après décision. Oui, ok. Kabe ou là?
Oui, mais là, moi, là, même temps, dans mon croisement, on ne peut pas parler, etc. Non, non, bah, on va continuer. Ah, d'accord, ok, d'accord, allons-y, ok. Oui, Capé, dans ton dos. Oui, non, moi, dit que situation que je vais présenter aujourd'hui, moi, je dis déjà dans l'autre média, le fait que le président Jovenel Moïse, j'ai assassiné l'Alvin Tounon Martyr, qui fait l'amour continuer à faire décision politique. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Peut-être que c'est la première fois que ça arrive, ça semblait pour arriver dans l'histoire d'Haïti. Mais il y a l'autre pays, par exemple, après la mort de Peña Gomez en République Dominicaine en 1996, c'était comment bien ce qu'on ça. T'es gagné quoi que lui-même c'est pas assassiné ou t'as assassiné lui. T'es gagné yon élection qui t'est faite et le parti de Peña Gomez, le PRD, d'après le raflé toute portion sous émotion peuple là qui pas accepté Peña Gomez t'est mouru là ça à 59 ans. Nous vivons même expérience là avec un pays comme le Venezuela. Après la mort de Chavez, monsieur t'es gagné dit comme il était gagné cancer que s'il mourit. Eh bien, vous et j'ai gardé Nicolas Maduro. Eh bien, jusqu'à présent, Nicolas Maduro est sous pouvoir. Alors, il y a, Dakabdila, Samrele Vanviré. Vanviré, M. Moïse, de son vivant, est très faible. Et puis, qu'on y a, un cadavre censé a fait décision politique. Et c'est la vie, c'est l'histoire. Et parce que, j'aimerais te dire, l'histoire. Jean Limouria fait li tourner yon mati et que jodia obligé à jouer à tenir compte de monsieur Jovenel Moïse même s'il mourit. OK Polo, maintenant moi t'a aimé mandé ou est-ce que gen moi gen bataille qu'a fait pour ça, est-ce que gon possibilité, est-ce que ou même tout ou d'accord? Et quelle explication et analyse qu'on a fait sur ça, le et politique là, pour t'amener nous vers des élections libres, honnêtes et démocratiques, avec un gouvernement de consensus réel. Bon, pas oublier que nous n'ayons situation d'exception. Alors, c'est ça qui fait que grand problème de constitution dans le pays, hein? Même si il y a un monde qui n'est pas d'accord avec le référendum, président Jovenel Moïse, ça va le faire. Moi-même, moi j'ai un désaccord avec le texte qu'il a proposé, même toujours quoi, il y a une nécessité pour nous adresser les problèmes constitutionnels qui sont des problèmes structurels. Regardez qui interprétation que tu as gagné à l'article 134.1, 134.2, 7 février, qui s'est passé. Regardez, je dis, dans qui ça nous est là, nous tellement dans l'interprétation de l'article 149, eh bien, ouais, nous tombons dans le bon exercice. Moi-même, ça me passe, très honnêtement, nous pas qu'à faire transition dans transition. Bon, situation politique, une situation de crise, qui mettait une ambiance d'exception, qui expliquait aujourd'hui à, où gagnait le premier ministre Ariel Henry. Et bien, moi-même, je pensais que l'État nécessaire pour gagner une formule de contre-pouvoir. Parce que c'est clair, l'extrêmement difficile, maintenant, ambiance d'exception pour gagner un monde qui gagne tout pouvoir dans mes lunettes sans aucun contrôle. Moi, je pensais que l'État bon, a une concertation qui fait pour nous joindre une formule de contre-pouvoir. Mais moi-même, j'ai gagné non exécutif à deux têtes, je dis. Lorsqu'on a l'intention toujours gagner entre président et premier ministre, c'est difficile, c'est très rare. Relation président avec premier ministre pas dégénéré. C'est très très rare. Ou ka compter sous doigt tout combien président qui t'est arrivé entendre avec premier ministre. Nan contexte ça, yon crise entre président et premier ministre qui doit mettre en pile bouillaille nan transition nan PCIF faire vers élection démocratique qui t'a dû faite pas trop longtemps. Alors à mon avis, la très difficile pas une formule déjà gagne un problème de cohésion, selon ça que nous comprenons là, une sorte de gaspillage de symbole pays, où gagne l'actuel président du tiers du Sénat non cité, où tu gagne l'ancien juge à la Cour de cassation, Mécène Jean-Louis, qui sous bantouche là, nous t'en dégaine l'autre nom, l'autre personnalité politique cap cité,
Moi-même, moi j'ai inquiétude pour ne pas gaspiller le symbole pays. C'est mon inquiétude. Pour ne pas seulement voir nos mounions en l'air, et puis bagaille là pas capable d'aboutir. Elle vient créer une ambiance de confusion, d'incohérence, dans certaines sensibilités de l'opposition et de la société civile, qui pas arrivé à entendre sur le monde. Parce que lorsqu'on a trois noms sous table là, on va demander sur quelle base on va trancher en faveur de ça. Moi, je voulais dire pour Evans Paul, est-ce que vous pas estimé que si l'opposition lui-même n'est pas capable de joindre consensus nécessaire pour un président provisoire, est-ce que ce n'est pas une entente qui a gagné pour un premier ministre de consensus qui est capable de faire un bail largement large et puis nous pas besoin de président, ça fait une. Deuxième aspect de la même question, c'est qu'en fait, un président provisoire aura besoin peut-être d'un an et demi ou deux, et peut-être plus, mais un premier ministre de consensus n'a pas besoin de tout ça, un an amplement suffisant pour faire organiser les élections. Est-ce que ces élections ne besoin organiser ou bien une prise de pouvoir pour l'organisation des différentes institutions de ce pays, finalement? Eh bien, c'est son lutte de succession politique qui est légitime. Parce que depuis qu'il y a la vie politique, depuis qu'il y a mon cap fait politique, il y a toujours une bataille politique, surtout dans le pays en crise, sans quoi Haïti. Mais sauf que des fois, il faut nous bien situer la bataille là. Je pense que la succession ouverte au président Jovenel Moïse, d'ailleurs, le véritable combat contre le président Jovenel Moïse, c'était pour ne pas être capable de renouveler tête li. Il n'y a pas de voulu ça du tout. Alors c'est ça que fait, il y a une tendance pour assassiner caractère li et assassiner le régime li était là-dedans, là, pour ne pas avoir aucune chance. Mais on a l'autre faiblesse. On a l'autre côté, pas de gens gagnent ou bien jusqu'à présent pour qu'on gagne une alternative qui dessinait. C'est-à-dire que nos amis, nos camarades de l'opposition, pas de gens arrivés offrir au peuple une alternative. Que ce soit en personne ou en programme, qui dit bon, mais qui moun nous campé derrière, et mais pour qui ça nous campé derrière moun ça, et mais qui projet nous défendre. Le plus souvent, il y a des discours, de phrases, transition de rupture, etc. Mais arriver maintenant, non sous lit, et là, par exemple, il y a des non moun qui viennent sous table là, et bien moun ça, yo viennent faire partie de solutions au lieu que yo. Il fait partie de problèmes au lieu que il fait partie de solutions. Par exemple, il y a trois non-juges qui t'ont cité comme probable alternative au président Jovenel Moïse. Trois juges de la Cour de cassation. Tous les trois ont un problème. Que ce soit, c'est le juge Ivikel da Brésil. Bon, à tort ou à raison, il y a une question pour l'État 7 février. Il était en prison, il a fait pression, il a lagué. Après sa président Jovenel Moïse révoqué, ou gagné le juge Mécène Jean-Louis, il était choisi lui, finalement son président a caché, ou vient gagné Madame Koch, qu'on y a mené une cité, on a ses mandats derrière sous question possible, moi je dis possible, parce que pas juge. Oui, possible implication. Oui, implication dans la mort président Jovenel Moïse. L'organe ça a passé bien. Les trois ont un problème, ont un bagage qui pas marché là. Et c'est à deux trois personnalités de référence. Et ça expliquait crise pays. L'organe de haute personnalité comme ça, dans justice pays, qui trouvait non tombé non ambiance, yo tous les trois des candidats dans même cour de cassation, pas de grand entente entre yo. Et puis après ça, non yo chaque tombé non bagage on tient pas fin clair. M'pas quoi que c'est bien pour morale politique pays, pour morale sociale pays. Alors, c'est un aspect du problème. Ou saute pour un aspect, mais là, on a parlé de sanrer les successions, une succession à deux étapes. La première étape, c'est l'étape intérimaire que nous vivons. Et la deuxième étape, c'est l'étape ouverte, l'étape compétitive. Moi, je pense que ça pour nous organiser, je veux dire, c'est la compétition vers des élections. Compétition pour que gagne un gouvernement transition qui l'a et gouvernement transition li ba un programme le plus simple possible
li créer conditions pour élection faite et conditions sécurité, mais pays a pas qu'à cramper tout parce que pendant n'a dit sécurité élection faut peuple à vivre. Actuellement gen gros grave crise financière dans pays a. Par exemple, espérance te gagner pour te ramasser 130 milliards de gourdes pour budget en cours là, eh bien selon information gagner à peine si a privé à 100 milliards, il dit que gain environ 20% dans budget dans prévision que tu gagnes qui pas ka ramasser et pas oublier pendant toute règne président Jovenel Moïse dans pas international tu gagnes une possibilité pour te gagner un stand by avec FMI et bien bah ça t'est brouillé suite à arrêté président Jovenel Moïse de sorti par rapport à la Cour supérieure des comptes. Je dis à un gouvernement de transition capable de régler les bagages. Parce qu'il faut qu'il y ait un petit cop dans la caisse de l'État. Faut qu'il y ait pour la sécurité. Faut payer la police, faut payer le noyau, la mecla. Et puis, faut faire face à l'urgence et problème grand goût. Faut payer l'emploi et l'État. Parce que pays a tout, faut le respirer, faut voyager, garder le peuple là. Je pense que ce sont les urgences qui correspondent avec revendications fondamentales peuple là. Et puis mise en place pour organiser une élection, c'est ça pour nous prioriser. Et je pense que ce soit monde qui est en opposition dans la société civile, tout le monde doit poter coller pour assurer que disposition à prendre pour bon genre élection faite dans un délai qui est plus court possible, mais éviter créer confusion, éviter mener une bataille de succession dans intérimaire. C'est organiser intérimaire pour aller dans succession ouverte là à travers de bonnes élections. Dans l'organisation intérimaire, est-ce que vous pensez l'IPATA nécessaire et fondamentale, même si vous êtes arrivé, mettre au président, non consensus, mais il faut qu'il y ait une légitimité, Jovenel là, qui c'est docteur Ariel Henry. Parce que ce qui est arrivé dans l'euphorie de prise de pouvoir de l'opposition, non consensus large, il doit tout éclipser Ariel Henry. Eh bien, moi-même, je n'ai pas quatre mots. On a utilisé tout le temps, il y a le mot de facto, ou l'autre mot, il y a utilisé souvent, qui c'est le mot consensus. Consensus, en tout cas, ce consensus-là, bon, de facto, il y a le bonjour, mais nous avons bien de facto, tout le monde de facto. Automatiquement, pas de légitimité, il pas fait selon Jean Pouté, fait selon la loi, selon la Constitution. Nous avons un modèle d'exception, nous avons de facto, c'est bonjour, lié à son situation, et donc, on a un sinistré. Le 12 janvier, eh bien, 2010, puis fois, il s'était sinistré, c'est bonjour, c'est ton situation. Alors, nous avons même profité pour tes clarifications, ça allait pour la petite de facto, en pile monde dans le peuple, c'est son jour, mon lieu, son défouli. C'est une situation. Maintenant, consensus. Consensus entre qui est et qui est. Ou pas capable, c'est ça que Femme t'a dit dans le début de l'émission, hein? Le président Jovenel Moïse, il t'a assassiné, mais il n'a pas renversé. Sous renversé, ou prend son Ravel. C'est composé, n'a pas composé, obligé de composer avec mon Jovenel Moïse yo tout. Je dis à soi, font pouvoir de consensus, eh bien, faut le gain moun, opposition là-dedans, faut le gain moun, société civile, faut le gain moun, régime, Jovenel Moïse là-dedans tout, parce que yo souterrain tout, nous toutes fait partie de problème là. C'est nous toutes qui doit entendre nous pour nous transformer nous de problème à solution. C'est comme ça me toujours elle. C'est ça me dit même dans le microscope du vivant de président Jovenel Moïse. C'est ça me quoi qui logique là, même après la molle, et je dis à plus encore après la molle, parce que grosse situation politique qui fait monsieur Jovenel Moïse mourir physiquement, mais il était vivant politiquement sous scène, il faut tenir compte de ça. Comme on grand pile expérience, et c'est pas un cadeau que personne n'a fait dans le pays. Mais moi, je t'aime poser une question. Si vous voulez répondre, vous répondre. Si vous ne voulez pas répondre, vous dites que vous ne connaissez pas. Parce que pas qu'on est en tout, dans la réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Et donc, Evans Paul, qui ça, selon vous-même, que Jovenel fait, qui fait, vous tuez, monsieur, vous pétez Gilles, qui ça, où est pendant la gestion, monsieur? Est-ce que lié à ça, qui analyse vous fait? Parce que je connais. Ou t'es bien, monsieur, t'es pas là avec monsieur, même bien avec un peu l'autre monde. Mais est-ce que vous pensez, monsieur, t'es géré en façon côté t'es mérité sur ça? Non, personne ne va mériter sur ça et me condamner.
Mais pas oublier que Jovenel, c'est un président qui était piraï dans le pays d'Haïti. C'est ça que fait un peu le monde reconnaître, il était assassiné caractère. En vrai, il a assassiné physiquement, il a assassiné moralement. Alors, il y a un peu le monde qui n'a pas très bien Jovenel Moïse. Il y a des gens qui étaient raïs, il y a des raisons pour raïs. Il y a des gens qui fait raïs sans qu'il n'y ait pas de raison pour raïs. Tout le monde lui dit que le peuple est raïs. Le peuple la raïe parce que le peuple n'a pas compris. Bon, maintenant, c'est vrai, son monde, il n'y a pas de main. Et me penser, c'est peut-être le calcul ça qui était fait du assassinat là, qu'il faudrait même mercenaires qui étaient dans le pays, qui étaient dans la zone du assassinat là, il n'y a pas de même bon plan pour évacuer tête parce que vous pensez que tellement mon raïe Jovenel Moïse, là, au fin de tout, il y a peuple a pris la rue, ou même mercenaire, ou le prendre comme héros, mais parce que c'est un calcul comme ça qui fait. Mm-hmm. Mais peuple haïtien, c'est grand monde, peuple haïtien, il est étonné tout le monde avec attitude. Alors, monsieur te gagné, monsieur te géré pays avec passion, avec en pile passion. Et non passion, il était antagonisé personnellement. Par exemple, nous te vivons, bah, j'aime te dire le dictateur, parce qu'il n'y a pas de capacité pour le dictateur. Mais il était un autocrate. Un autocrate là tout, son monde qui a dirigé en fonction de réflexes personnels. Parce que justement, institution est faible et pas d'institution pour freiner. Par exemple, son jeune se font un discours, dit monsieur, si Kobla a voté le banc, je ne vais pas faire bouche moins longue. C'est comme si Mdadou, Kobla, son corps personnel. Alors, s'il était la gueule sous DGI ou bien sous de la douane, il était si Kobla nous doit DGI, monsieur, on prend une règle à faire la DGI, je ne suis pas responsable. Il a appliqué la loi contre nous. Non, il n'est pas de prendre distance ça. Il était fait bagaille avec une certaine passion. Il pensait le provoquer high personnel. Et pas oublier tout. Il a une origine modeste. Ils sont négants d'ailleurs. Ils étaient qu'on attaque sous apparence physique. Alors, il y a un pile problème, il y a un pile aspect d'ordre politique, sociologique qui a mélangé. Dans l'assassinat Jovenel Moïse là, même pensez quand même l'homme monsieur après le servi leçon pour personne pas croire qu'atouiller l'autre monde parce que vous pas d'accord avec. Evans Paul et Sival. Moi je voulais poser question ça. Je dis à nous en situation côté que et nous à pays à diriger avec un exécutif monocéphale. Mais par rapport à histoire nous. Même histoire, nous prenons l'indépendance en 1804, de 1804 à jeudi, à quelques rares exceptions. Après, Kassa, nous avons peut-être gagné une histoire pays avec Mac Bazin, si mes mémoires sont bonnes. Donc, généralement, nous toujours un exécutif bicéphale. Par exemple, si nous prenons pendant 30 dernières années, là, pendant la fin expérience démocratique, là. Mais à côté de ça, tout. Nous avons culture présidentielle. Est-ce que dans ce sens ça, et vous pensez la matché pour que nous gagnions un exécutif monocéphale et nous avons dit culturellement nous pas même trop habitué avec puisque l'expérience avec le premier ministre n'est pas faite trop longtemps. D'accord. Et ça a remonté à fin et 20e siècle là. Donc maintenant, est-ce que dans ce sens ça, vous pensez que c'est possible? Est-ce que ça va pas contribuer à affaiblir l'institution. L'un qu'on est président de la République, là, le ensemble de compétences qui propre à lui-même et compétences à eux, c'est seulement lui-même qui a en fait exercé. Bon, Val, maintenant, doit avec un peu l'attention, mais pas oublier que ça qui a passé là, ces manifestations graves crises n'a vivent depuis des années. Crise n'a pas commencé à partir de 1986. Si vous voulez me voir quelques éléments de référence à la crise là, eh bien, de 1986 à nos jours, nous changeons président au moins 16 fois. Et pas oublier, là, on a parlé d'exécutif monocéphale, ce n'est pas la première fois que nous faisons expérience là. Nous avons fait pendant la période coup d'État avec Bazin. Pas oublier, dès qu'on l'a, après la présidence de Joseph Nerret, et M. Militaire, yo, t'es placé Mac Bazin, qui t'a fait un an à diriger pays, et comme à la fois Premier ministre, avec le titre de Premier ministre, c'est président, parce qu'il n'a pas allé à même de te situer. Pour ça, t'es plus grave, c'est n'a pas allé à même bureau le TI. Alors, nous faisons tout ça déjà.
Nous avons fait un petit calcul tout à l'heure. Notre petit homme de fait comme premier ministre, là, de 18e. Mais est-ce qu'on connaît de 2016, m'a pas premier ministre encore, à 2021, nous avons temps sous 7 premiers ministres en 5 ans, de 2016 à 2021. Ça veut dire que, gon crise d'instabilité politique, faut nous vivre en côté, nous garder bagaille là bien. Pour moi-même, côté gon gouvernement monocéphale, côté gon bicéphale, si nous ne pas mettre grand monde sur nous pour nous entendre, pour nous définir des objectifs clairs, pour nous connaître qui